De ma lame et de ses douleurs, je préserverai l'innocent. La foule me cachera. Jamais je ne mettrai en danger la confrérie. Tels sont les tenants du credo, les principes qui gouvernaient ma vie. J'étais alors un jeune homme, à la veille de la guerre qu'on dit de 7 ans. Je n'aurais jamais imaginé ce que me réservait l'avenir, ni le prix qu'il me faudrait lui payer. Mon nom est Shay Patrick Cormac, et voici mon histoire. Nous ne manquerons pas de bois pour le feu. Admets-le, j'ai failli t'avoir. Mais tu ne m'as pas eu, Shay. Et puis non. T'as eu de la chance, c'est tout. Je crée ma propre chance, Liam. Ah, c'est ce que tu prétends toujours, mais il serait temps de le prouver. Il t'en faut de la chance avec les ennuis que tu t'attires. Ben disons, ce sont les ennuis qui me collent à la peau. Il est temps de rentrer. Bien vite. Monsieur de la Vérandrie et son équipage ont dû s'attirer des ennuis. Tout ça pour un rendez-vous avec des contrebandiers. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu refuses de me dire ce qu'on fait ici. Parce que le chevalier en a décidé ainsi. Je croyais qu'on était amis, Liam. Nous sommes amis, mais cela n'a rien à voir. Ça ne te concerne pas, Shay. Eh bien, je vais trop vite pour toi. Non, je veille sur toi, au cas où tu te blesserais en tombant. Fais vite. Mieux vaut ne pas faire attendre, monsieur. Malédiction, où sont ces crétins? Espèce de... Où étiez-vous, vous deux? En pleine partie de chasse. Que s'est-il passé ici? Les misérables anglais ont attaqué mes hommes! Eh bien, capitaine Joseph, vous n'avez donc pu les repousser à vous seul, comme vous le dites toujours? Capitaine Louis-Joseph Gauthier, chevalier de la Vérandrie. Et je doute fort qu'il existe un entraînement capable de faire de toi un assassin. Sais-tu ce que cela implique? Cela implique d'être le garant d'une noble et ancienne tradition, d'obéir à son mentor sans poser de questions. C'est le prix à payer pour la liberté des hommes. Voilà de belles paroles, chevalier. Mais je ne me sens pas très libre en ce moment. J'espère que tu sentiras ceci. Simple d'esprit, tu n'es qu'un misérable paysan. Misérable petit garnement. Je vais t'apprendre les bonnes manières, petit. Messieurs, voyons. Nous avons un ennemi commun et il est sur nos talons. La Royal Navy m'a attaqué et a mis mes hommes en déroute. Nous sommes bloqués ici, et pire encore, les contrebandiers que nous devions voir ont été capturés. Shay et moi allons les aider. Vous soignez vos hommes. Prends-les. T'en auras besoin. Sois prudent, Shay. Rappelle-toi tes entraînements. Et prends garde à la débit. T'es prêt à leur donner une leçon? Ils n'ont pas l'ombre d'une chance. Pas mal. Amis, hein, ça se termine. Parle avant que je te brise le crâne. Ouvrez l'œil, les gars! Lorsqu'on les complices sont toujours de ça! Ils verront ce qu'il restera de ça! Hey! Hold a moment, Squire!
Merci, mon ami. Ils allaient me pendre. J'en ai laissé quelques-uns. Trop aimable. Tu n'es pas totalement bon à rien, Shay. À propos de bon à rien, ces pauvres gars n'auront désormais plus besoin de ce navire. Ce vieux Ravio. Si tu en veux, Shay, il est à toi. Maintenant, ramène-moi à mon navire. Tu l'as entendu ? Ce navire est à toi. Prends la barre. Les hommes que vous avez sauvés nous rejoignent. Ils feront un bon équipage. Je ne sais que penser de leur capitaine. Mais après moi, tu es le marin le plus expérimenté de la confrérie, Shay. Et un bateau de plus nous serait fort utile. Même en piteux état. Il est à moi, c'est vrai. Un navire à moi. Ton vieux Ravio flottant, oui. Avec une touche de peinture et de nouveaux canons, j'en ferai l'un des meilleurs navires du monde. Peut-on commencer, capitaine? Tout de suite, nous saillons. Abruti. Il est en piteux état, mais il tient la mer. Et il a été baptisé le Morrigan. Ah, Morgan! Cette idiote de fée qui avait ensorcelé Merlin l'enchanteur. Oh, oh, il tira comme un gant, Shay.
notre combat. Je retourne à bord de ce qu'il reste du Gerpo. J'ai une longue route et de nombreuses réparations en perspective. Donnez de la voix, les gars. Le chevalier est fier de nous. Quel est notre cap, Capitaine Shay? Il est peut-être temps d'aller faire notre rapport au Mentor. Sage parole, Capitaine, sage parole. Mais qu'est-ce que t'as foutu? C'est une sorte de virus dormant. Merde! Bouge pas, je vais te sortir de là. Désolée, c'était assez brutal. L'oreillette marche? Un, deux. Tu étais dans un animus. Animus, tu te souviens? Tu avais accédé à une mémoire génétique de Helix appartenant à Shay Cormac. Tu bosses pour Abstergo Entertainment. Alors, ça te rappelle quelque chose? Ta session a déclenché un truc néfaste qui a affecté tout le bâtiment. Faut qu'on trouve ton boss. Tu te souviens de ton boss, quand même? Mélanie Lemay, Madame Positive Attitude. Tiens, ton communicateur, si jamais tu te perds. Allez, assez traîné. Suis-moi. Dépêche-toi. C'est toi qui as provoqué ce chaos. Au cas où tu te poserais des questions. Rappelez-vous les exercices d'évacuation. Tout va bien se passer, les gars, je vous assure. N'ayez pas peur. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un virus dans un fichier intitulé Shay Cormac. C'est ton boulot d'éviter ce genre de choses. Faut contenir ces mémoires génétiques avant de pouvoir les détruire. Non, il faut les isoler. Je veux étudier ces mémoires. Mais... Mademoiselle Lemay, désolé. Ce n'est pas une demande. Vous l'avez entendu? Ok. Mademoiselle Lemay, vous permettez que je vous emprunte votre cobaye? Salut, toi. Ça va te paraître un peu étrange, mais tu vas travailler pour des prestataires que nous avons, disons, embauchés pour améliorer la sécurité. Monsieur Otsuberg et Mademoiselle Violette d'Acosta. Appelle-moi Violette. Je dois faire le point et préparer une déclaration pour la presse. Tu fais tout ce qu'ils te demandent, compris? On est soudés. Sur le papier, t'es responsable de rien du tout. Mais c'est toi qui as activé le virus. Du coup, tu vas m'aider à faire un peu le ménage. Monsieur Berg veut qu'on vive les mémoires génétiques de Shay. Mais pour ça, on doit y accéder sous Helix. Sauf qu'il est HS. Va falloir aller au sous-sol pour rebooter. Waouh ! Le type qui a conçu ce virus est un génie. Non seulement il nous empêche d'accéder au cloud, mais il s'adapte pour foutre en l'air les autres systèmes d'exploitation qui gèrent le centre. Mélanie, l'ascenseur est HS. On est coincé à cet étage ? Bon sang, oui. J'envoie la maintenance s'en occuper. Et un serveur fonctionnel à cet étage. On va devoir faire avec. Agent d'Acosta, tenez-moi régulièrement informé de vos progrès sur les mémoires génétiques de Shay. Pourquoi? Ce sujet n'a rien de particulier que je sache. Si Shay Cormac est l'homme que je cherche, ce léger contretemps sera peut-être une merveilleuse aubaine pour nous. Rejoignez la salle des serveurs à cet étage. Thank you.
c'est pas trop complexe. Ça sera sans doute aussi facile de rebooter le hardware de pointe dans le reste de l'immeuble. Les assassins prétendent qu'Al-Mualim était un grand mentor qui s'est laissé corrompre par sa cupidité, au point de comploter avec les Templiers pour acquérir une pomme d'Éden. Moi, je vois en lui un stratège avisé. Il s'est servi de son meilleur assassin, Altaïr ibn Ahad, pour éliminer ses conspirateurs afin de garder le contrôle de la pomme et s'en servir pour faire régner la paix. Al-Mualim n'était pas un Templier, mais je trouve intéressant que sa conception de la paix ait été plus en phase avec la philosophie des Templiers qu'avec celle des assassins. Autrefois, les deux factions avaient un but identique, la paix. Seuls différaient les moyens pour y parvenir. Si Altaïr avait laissé Al-Mualim mettre son plan à exécution, nous ne serions peut-être pas à couteau tiré. C'est seulement quand Altaïr a réformé la confrérie avec ses nouveaux idéaux de libre arbitre que le conflit a vraiment pris une ampleur mondiale. Car si le prétendu sage de la montagne peut voir les choses de notre point de vue, il doit forcément en être de même pour d'autres assassins. Les assassins prétendent qu'Al-Mualim... T'étais censé voir ça. Peu importe. Contente-toi de retourner à ta station Animus. Maintenant que les serveurs sont rétablis, tu devrais pouvoir réactiver les autres postes de travail. Enfin, si t'es d'humeur à prendre utile. Et tu devrais aussi pouvoir trouver d'autres séquences intéressantes. Je veux dire, si t'as envie d'en savoir plus. Tiens, un de tes collègues a perdu son communicateur près de l'ascenseur. Si tu vois des appareils qui traînent, récupère-les. Ça nous aidera peut-être à trouver le coupable. Maintenant que vous avez débloqué les mémoires de Shay Cormac... Une grande découverte s'offre à nous. Bien vu. À ta place, je jetterai un œil au cas où il y aurait des infos intéressantes. Ouais, je sais, je suis une personne horrible. Vous avez sans doute des questions sur votre nouvelle mission, ou sur moi. Mais toutes les réponses que vous cherchez se trouvent dans l'histoire de Shay, les mémoires. Quelle joie de te revoir. Achille. Adéwalé. Quelle est la situation, Caraïbe? Elle est mauvaise, j'en ai peur. Je devine à ta réserve qu'il faut parler. Bien. Qui est ce visiteur? C'est Adéwalé. Un esclave qui s'est affranchi avant de libérer ses frères par centaines. Il est l'incarnation vivante de notre credo. Je vois. Bien, il est temps de s'entraîner. Plus tard. Auparavant, j'ai affaire. Raconte-moi ce qui est arrivé. C'était horrible, Achille. La terre a tremblé et d'immenses vagues ont balayé Port-au-Prince. Combien ont perdu la vie? Des milliers. Aucune famille n'en est sortie indemne. Adéwalé semblait inquiet tout à l'heure. J'ai cru comprendre que Madame Hope te cherchait. Tu es en retard, Shay. Hope, qu'est-ce que j'ai raté? Seulement la première heure d'entraînement. On n'arrête pas de s'entraîner, Kessegowazé. Et c'est ce que nous continuerons à faire. Ne perds pas ton temps, Shay aime autant s'entraîner qu'un chat aime être tenu en laisse. Hé hey. C'est dommage, il a pourtant un grand potentiel. Mais si peu de discipline.
D'accord. J'ai compris. Que dois-je faire au juste? Bien joué. Alors, quel est le défi du jour? Tenir son arme et viser juste. Tiens, prends-les. Ce sont les tiens. Je veux que tu aies un semblant d'espoir de réussite. Vas-y. Attends, Cécile. Tu peux prendre ton temps. Et pas trop. Nous avons encore à faire. Recharge. N'importe qui peut toucher ses cibles sans bouger. Voyons ce que tu vaux en courant. Allez, dépêche-toi. Bravo, Shay. Continue sur cette voie. T'es doué, Shay. Ne prête pas attention à ce que disent les autres. Ils t'apprécient, mais ils te le diront jamais. Il était temps que tu arrives. Je m'en voudrais de faire attendre une dame. Ici, je n'ai rien d'une dame, ne l'oublie pas. Je suis là pour t'instruire. Je suis meilleur que toi. J'espère que tu as raison, au moins en partie. Qu'allons-nous faire? Explorer toutes les manières d'ôter une vie. Vous deux, rendez-vous utile, surveillez Shay. Sais-tu tuer sans te faire repérer? Évidence, tu sais te défendre. Tu m'appréciens, Shay. Je t'ai Reste vu. Tranquille dans les broussailles. Sois patient et ta cible ne survivra pas. Il est juste là. Bravo. Tu me surprends. Ah, la célèbre botte de foin. Cache-toi dedans et surprends ta cible quand elle s'approche. De toute évidence, tu sais te défendre. Tu es allé au-delà de mes attentes. Tu es devenu un meilleur assassin, n'est-ce pas? Essaie de garder les pieds sur terre. Jay, suis-moi. Il est temps que tu apprennes à survivre sur la frontière. Je crois que je m'en suis plutôt bien sorti jusqu'ici. Peut-être. Mais j'ai des choses à t'apprendre. C'est l'heure de la chasse. Tu dois mobiliser tous tes sens pour trouver ta proie.
Tuer une croix ne doit jamais être dénué de sens. Nous devons utiliser ce que nous donne la nature. Bien. Maintenant, utilise ce que tu as appris à la nature. Grâce à ça, tu pourras garder tes pistolets avec toi. Achille a encore quelque chose à te montrer. Me dit que tu deviens un vrai tireur d'élite. Joli présent. Mentor, merci. Mon navire m'attend, Achille. Le peuple d'Haïti fera bon usage de tes provisions. Et tu retrouveras ce qui a été perdu. Perdu ? Les Templiers ont volé deux précieuses reliques. Un manuscrit renfermant un savoir ancien et une boîte permettant d'en comprendre le langage. J'ai suivi les Templiers jusqu'à ce rivage. Mais tu vas devoir faire le reste, mon ami. Adieu, Adewale. Ceux qui détiennent ces reliques pourront accéder au site des précurseurs. Nous devons les retrouver pour le bien de tous.